Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous donner quelques indications pour jouer le morceau comme d'habitude. Alors tout d'abord, la main gauche, j'ai employé un accompagnement sur les temps. Alors l'accompagnement sur les temps, j'ai plaqué les accords en fait sur les temps. Donc par exemple pour le premier Fa, 1, 2, 3, 4, le deuxième, Fa majeur 7. Alors, pour les accords à trois notes, par exemple le Fa, j'ai quand même rajouté une quatrième note qui est la même que la première à l'octave du dessus. Hein. Voilà, c'est juste pour avoir un peu plus d'intensité dans l'accompagnement. J'ai employé quelques renversements pour certains accords. Par exemple Do mineur 6. Hein. Voilà, bon, je l'ai fait là, je crois. Hein, voilà. Donc j'ai également fait un autre accompagnement qui est celui de faire la basse sur le premier temps et puis l'accord sur les autres temps. Tout ceci en utilisant la pédale bien évidemment. Donc deuxième accord. Le Fa majeur 7 c'est avec un Mi et pas un Mi bémol, hein. Faites attention. Au niveau de la main droite, il n'y a pas trop de difficultés. On commence souvent à contretemps, c'est d'ailleurs souvent le même schéma qui se répète. Mais comme c'est lent, on a largement le temps d'y penser. Alors, il y a quelques renversements qu'il faut que je vous précise quand même. Donc, mesure 16, on a un sol mineur sur une base de Fa. En fait, on a un sol mineur 7. On pourrait le voir comme ça. Donc, renversé sur la septième. Donc, je fais un Fa à la basse. Et je viens faire un sol mineur à la main gauche sur les trois autres temps. C'est la même chose qui se passe à la mesure 20 où on a un Do mineur 7 sur une base de Fa. Le renversement qui vous fera passer la chose le plus simplement possible. Voilà, à ce niveau-là, les accords, vous devrez bien les connaître ou les retrouver facilement. Sinon, vous regardez ce que j'ai joué. Au niveau de la mélodie, j'ai tout lissé, j'ai fait des croches. Il y a juste deux passages, mesure 15 et mesure 18, que j'ai gardé en triolet. Mais sinon, le chant se fait essentiellement en triolet. Hein. Bien régulière qu'on fait, enfin voilà, on modèle un petit peu la mélodie comme on l'entend. Là, je l'ai noté, comme ça, vous avez les notes, c'est simple à lire. Et comme vous avez les notes, vous pouvez alors remettre la rythmique que vous voulez, alors, du moment que vos quatre temps à la main gauche soient carrés. Hein. Voilà. Bon, c'est vraiment pas très dur, normalement. Ça va être juste de gérer les accords à quatre notes comme ça. Soit vous choisissez de faire directement l'accord à quatre notes, donc sur les quatre temps, soit vous choisissez pour le premier temps de faire une belle basse pour donner un petit peu plus de relief encore. Voilà. Et puis pour donner encore plus de relief à la mélodie, pour le refrain à partir de la mesure 18, vous pouvez le faire en octave. Voilà, donc je vous laisse interpréter ça en vous aidant éventuellement des indices que je vous ai donnés, mais inutile de faire du copier-coller sur moi. Je vous laisse donc libre interprétation, ou presque.
Voilà, j'espère que ça vous sera utile pour le jouer. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain tutoriel.